Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui une petite vidéo un peu spéciale qui est pour vous parler d'une céleri. Alors avant de commencer cette vidéo là, je voulais m'excuser pour le nombre de vidéos que je fais sur le... sur la présentation des produits, comme je l'ai expliqué dans le dernier journal d'Unco. En hiver c'est très compliqué de faire des vidéos avec Azzaro parce qu'il ne travaille pas du tout en hiver, donc si vous voulez savoir pourquoi il ne travaille pas du tout en hiver, je vous mets le lien en barre d'infos. Donc c'est une petite vidéo où j'explique le travail d'Azzaro. Et c'est vraiment compliqué de faire des vidéos avec lui en hiver. Alors du coup, à part des présentations de produits, je n'ai pas grand chose à vous faire. Et étant donné que j'ai reçu tous mes produits en même temps, du coup ça a été un petit peu compliqué pour moi parce que du coup, évidemment, il fallait que je fasse toutes les vidéos en même temps. Donc voilà, je suis vraiment désolée si en ce moment je vous inonde de vidéos présentations de produits. C'est vraiment parce que j'ai pas d'autre chose à vous présenter en vidéo et pour garder la chaîne active, j'ai vraiment que ça. Donc voilà, je tenais à m'excuser et ne vous inquiétez pas. J'essaierai de faire d'autres vidéos avec Azzaro, mais en ce moment c'est un petit peu compliqué. Vivement que le printemps revienne. Alors aujourd'hui c'est pas tout à fait une présentation de produits, c'est juste pour vous parler d'une petite céleri qui a ouvert il y a pas très longtemps. Donc une personne a ouvert une céleri il y a pas très très longtemps et pour pouvoir lancer sa céleri, je vais lui donner un petit coup de pouce en lui faisant une petite vidéo sur ma chaîne. Alors sa céleri s'appelle Mon Dada et Moi et en fait il vend ses produits etc sur Amazon. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si vous voulez juste faire un petit tour. Ce monsieur là m'a envoyé deux produits. Alors je suis désolée, je n'ai pas pu vous les montrer sur Azzaro parce que comme vous le savez, Azzaro ne travaille pas en hiver et il faisait que de pleuvoir etc à chaque fois que j'allais le voir. Donc voilà, ça a été compliqué pour moi de faire la vidéo sur Azzaro, mais de toute façon ce sont des marques que vous connaissez très bien, étant donné que ce sont des produits de la marque Eric Thomas. Alors le fournisseur de cette petite céleri là, c'est Ekia, donc voilà, je vous mets tous les liens en barre d'infos également. Pour vous parler des produits réellement, je pensais pas que ce soit très très utile, parce que beaucoup, énormément de personnes connaissent la marque Eric Thomas, c'est une marque vraiment très très connue. Donc voilà, c'était plutôt pour donner un petit coup de pouce à la céleri. Le monsieur avec qui j'ai été en contact est vraiment très 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 gentil, vraiment très très sympathique. Donc franchement, si vous voulez faire un petit tour sur sa céleri, n'hésitez surtout pas. Donc comme je vous l'ai dit, ils vont plutôt de la marque très connue comme par exemple Eric Thomas, CSO etc etc. J'essaierai de vous faire d'autres vidéos, donc une autre vidéo pour vous montrer comment font les accessoires que j'ai pris pour Azzaro sur Azzaro, est-ce qu'ils ont été bien, est-ce qu'ils ont été résistants. Voilà, un peu pour vous parler des produits, mais là c'était vraiment pour parler de la céleri. Donc les accessoires que vous voyez à l'image, ce sont un gog et un frontal que j'ai eu de la part de cette céleri. Voilà, cette petite vidéo n'est pas super intéressante, j'avais surtout un message important à vous faire passer et c'était surtout pour aider ce monsieur à lancer sa céleri qu'il a ouvert récemment. J'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu, je vais essayer de faire mon maximum pour vous sortir d'autres vidéos que des présentations de produits. Je vous promets rien, mais je vais vraiment essayer. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Gros bisous.